Allez, salut tout le monde, c'est Darkraptors et aujourd'hui je fais une petite vidéo rapide voilà pour expliquer voilà comment faire un hologramme sur Minecraft. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà j'enlève la pluie. Donc voilà, donc je vous montrerai comment faire. Donc voilà, quand je tourne, ça suit le regard. Donc il y a un plugin hein, qui est fait à partir de ça, mais voilà. Là c'est en 100% vanilla, donc je suis en Snapshot 14W21B, donc on peut faire ça depuis depuis pas mal de Snapshot. Donc voilà la commande, je la mettrai dans la description. Donc je vais expliquer maintenant comment il faut faire ça. Donc c'est très simple. Alors déjà on va summon une entité horse. En fait on va invoquer un cheval, voilà, et on va donner cette position. Donc là il faut toujours donner une position 56 blocs au-dessus, en fait. Enfin, 56 blocs au-dessus, je vais expliquer un peu plus tard. Donc voilà. Donc l'entité horse, on va le chevaucher donc sur un Wither Skull. Donc qu'est-ce que c'est un Wither Skull? C'est la petite tête qui est envoyée par le Wither. Donc voilà. On va mettre un custom name visible. Donc le nom va être visible. On va donner. Donc le cheval va être invincible. Donc voilà, ah oui, avant j'ai oublié. Donc voilà. Donc on va lui mettre à. Enfin, on va mettre aucune direction au Wither Skull. Donc voilà. Donc souvent, quand on met une Wither Skull, il a une direction. Là, on va en donner aucune. Voilà. Et on va mettre le custom name. Donc le custom name, c'est le message qu'on va envoyer. Donc, voilà. Le custom name visible, c'est pour que ça soit visible. On va le mettre invincible. Donc invulnérable. Et on va mettre un âge. Donc l'âge est important. Pourquoi donc? Pour en fait l'âge, on va faire retourner le cheval. Donc voilà, et le cheval va être invisible et aussi il va faire apparaître en fait de façon ici, voilà, le star. Donc en fait on peut taper le partout et on tapera pas le cheval. Donc voilà, donc voilà, donc c'est terminé pour la petite vidéo. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé, c'était assez rapide. D'ailleurs aussi pour ceux qui me poseraient des questions, on peut mettre des espaces, voilà, sur ce genre de truc. Et pour l'enlever, il faut juste supprimer l'entité horse et l'entité Wither Skull et vous l'envoyez enlever assez facilement. Oh, voilà l'objet, enfin le nom tombe. Donc je vais vous montrer comment faut faire. Donc voilà, hop. Voilà, vous mettez slash kill, donc slash kill on peut killer n'importe quoi. Avec, on va sélectionner une entité de type cheval et l'entité aussi Wither Skull, donc la tête de Wither. Donc voilà. Donc voilà, là je l'invoque. Et ici je supprime. Voilà. Bon ben merci et à plus. J'espère que ce tuto va vous servir pour des maps, aventure ou n'importe quoi. Donc merci et à la prochaine. Allez, ciao les amis.